Yo la gang, j'espère que vous allez tous super bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième capsule Exotic Reviews. Aujourd'hui on va tester des sodas qu'on avait l'habitude de tester, que j'avais l'habitude de boire en tout cas quand j'étais enfant. Et j'appelle ça des Chubby. Je vais essayer de les prendre en même temps là. Yeah guys. Fait que je vais déposer ça, pas faire de bruit. Fait que Chubby, juste mise au point du fait. Ouais, ça le focus. Good, parfait. Fait que Chubby, dans le fond, j'ai été capable de mettre la main sur trois variétés à venir à date. C'est-à-dire Bubblegum, Pineapple Sunshine qui est aux ananas, et la Reggae Red qui est un cola champion. Fait que, on va goûter à ça, guys. J'ai hâte de tester ça. Ça fait un petit bout que je les ai, ça fait un petit bout que j'ai pas fait des vidéos avec vous autres. Ça fait... J'avais hâte de vous retrouver, guys. Ça faisait quand même un bout, j'ai un petit stress, je vais pas vous mentir. Ça fait un bout que j'ai pas fait des vidéos, fait que ça peut que vous voyez peut-être un petit stress ou... Mais bon, je vais quand même essayer de faire le mieux que je peux. Fait que c'est ça, on va tester à ça. Ça fait un petit bout que je les ai. J'ai peur que ça soit peut-être un peu dégazifié, mais rendu là, on va tester ça. Je me rappelle même pas si à la base, quand j'étais enfant, c'était gazifié vraiment quand il y en avait dans des panneaux et tout, ou si c'était comme plus comme un jus ou whatever. Fait que je pense que je vais tester par celle qui m'intéresse le moins, c'est-à-dire l'ananas. Parce que bon, l'ananas, c'est pas une saveur qui m'intrigue tant que ça, là, surtout dans les liqueurs, là. Fait que... Oh, ça fait un petit pchit, je sais pas si vous l'avez entendu, là. Oh, Chris, ouais. Hey, ça sent l'ananas bonbon, c'est fucked up as fuck. Oh, ben guys, cheers. Ah, ouais. Oh, c'est plus comme du jus que de la liqueur. Mais c'est super taste par contre. Là, je t'arrête d'aller, dans le fond, c'est écrit importé, préparé avec le vrai sucre de canne. Fait que... Tu sais, ils ont l'air quand même d'avoir pris un tournant de santé dans leur liqueur, mais c'est pas vraiment santé, là, ça on s'entend. là, par contre, je pourrais pas vous faire la... Ah ben oui, c'est écrit. Il y a 100 calories par bouteille. Fait que, ouais, quand même, c'est quand même assez calorique, là. Il y a 250 ml par bouteille, fait que... Mais ouais, je vais pas toutes les boire, gars, je fais juste une petite dégustation. Après, je vais aller, je vais les donner à ma femme, elle trip chubby as fuck. Fait que, ouais, ananas, ça goûte, tu sens évidemment que c'est chimique. Mais pour vrai, c'est super taste, c'est pas trop sucré, puis je suis pas mal sûr qu'à ce temps qu'ils font que le sucre de canne, c'est pas mal meilleur qu'avant, là. Fait que c'est ça. Dans le fond, juste pour vous dire, dans le fond aussi, Chubby, ça vient de la compagnie SM Jalil qui est placée au Trinidad. Dans le fond, Trinidad et Tobago, je pense, c'est vraiment c'est des environs de Cuba dans ces pays-là. Ça se peut que j'ai dit la merde, ça se peut que, pour vrai, ça se peut complètement que j'ai dit la merde, là. Fait que la prochaine qu'on va aller avec, ça va être la Reggae Red, la cola champion. Je vais pas vous mentir, je garde la bubblegum pour la fin. Je pense que ça va être ma préférée, bubblegum. Fait que, let's go, guys. On teste la Reggae Red. Ouais, celle-là a pas été pétillante trop tôt, mais c'est vrai, je l'ai ouvert lentement. As fuck. Ouais, ça sent le Red Cola, le cola rouge. Je pourrais pas dire le goût. Ça me fait penser un peu au. En fait, ça existe vraiment du cola, du Red Cola. Je pense que ça vient de. Ça vient du lac Saint-Jean. Ouais, je pense que c'est ça. Ça vient du lac Saint-Jean. C'est une bouteille bleue. C'est quand même assez populaire. Ça dépend des coins, mais c'est quand même assez populaire. J'ai déjà testé, puis je pense que ça goûte semblable. Guys, ça goûte semblable. Je pourrais pas dire que je trippe, mais c'est vraiment pas dégueulasse. Fait qu'encore là, 100 calories. Je me demande si chaque saveur, dans le fond, si les saveurs, c'est pas mal tout 100 calories. Ou... Ouais, celle-là aussi, c'est 100 calories. Fait que, guys, Bubblegum, celle qu'on attendait le plus. On va ouvrir ça. Oh, ça, c'était pétillant. C'était pétillant, on l'a entendu. Ah, j'entends les bulles. C'est cavaté, j'entends les bulles. Les bulles me parlent. Bon, ben, guys, enfin un petit chubby
Un chubby enfin gazifié. Je veux du santé. Ça sent la gomme. Genre, vraiment, tu sais, la gomme avant de la mâcher, vraiment, ça. La gomme sec, là, c'est qu'elle va dire. Oh, ouais. Ça, c'est le best. Le best, guys. Pour vrai, là. Tu vois que c'est chimique parce que c'est liqueur gomme ballon, mais pour vrai, c'est super bon. T'as le Marley à côté qui bouge un peu. Je pense que vous l'avez jamais vu Marley sur la chaîne, c'est ça le pire. Il s'est recouché, il est tranquille. Marley, dans le fond, c'est mon chien. Mais c'est vrai que je vous l'ai jamais présenté, je pense. Peut-être des premières vidéos, ça fait tellement longtemps, genre des premières capsules SQDC qu'on faisait Guillaume, puis quand c'est nous aussi était là, le coloc, là, qu'il y a plusieurs personnes pensaient qu'il faisait du buvard. Ouais, ben, préféré des trois, guys, c'est comme que j'attendais, c'est celle au bubblegum. Fait que, ouais, si j'aurais à mettre un ordre de préféré, ça ressemblerait à ça. Première, deuxième, troisième. Ananas, je traite pas trop des. Ça fait. J'ai jamais vraiment trippé sur l'ananas. Il y a juste la croche ananas que je trippe pas mal parce que bon, ça goûte vraiment les bonbons, là, c'est fucked up. Fait que. C'est ça, guys, pour vrai, Chubby. Je pense que les deux premières ont été dégazifiées de. Je pense que, en fait, c'est tout gazifié de base quand que c'est frais. Ça faisait du bout que je les avais, fait qu'ils ont peut-être dégazifié dans mon frigidaire. Mais. Celle au bubblegum était vraiment gazifiée, c'est vraiment c'est taste, guys. Chubby, c'est nostalgique, là. Je sais pas comment vous l'expliquer, c'est nostalgique, là. Je trippe. Je voulais aussi vous annoncer que je recommence à faire des capsules, à faire des reviews d'exotiques pour le moment. On parle avec Guigui justement pour peut-être recommencer les capsules SQDC, capsules. Pas mal tout le reste, le weed, là, man. On va recommencer le weed peut-être dans pas long. Fait que ça reste à voir, ça reste à suivre. On a un projet aussi de déménager en colocation, moi, Guillaume, Sonny, puis ma femme, dans le fond, tout ensemble. Fait que, ouais, quand même, il y a du beau qui s'en vient, guys, pour la chaîne, il y a du beau qui s'en vient. Aussi, niveau exotic reviews, je vais avoir Chubby, je vais avoir une 14 environ, 14 saveurs de Chubby différentes que je vais vous tester, évidemment, inquiétez-vous pas. Puis, prochain jour aussi, prochaine semaine, il va y avoir plusieurs capsules exotiques aussi, que mon frigidaire est plein, plein, plein. Il va y avoir plein de stocks à vous montrer. Puis c'est tout du stock que vous allez pouvoir vous acquérir bientôt, bientôt, près de chez vous. Fait que, guys, là-dessus, on va se laisser. Chubby, c'est vraiment taille. Si vous pouvez vous en avoir, mon 16 ans, c'est nostalgique as fuck, Chubby. J'imagine pas ceux-là qui sont un petit peu plus vieux que moi. Fait que. C'était gosse la dernière. Fait que là-dessus, guys, on se laisse. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça va nous faire un gros plaisir. OK, les abonnés, ça monte. On est rendu à 481 abonnés, si je ne me trompe pas. C'est insane, guys, pour une chaîne qui fait pas tant de vidéos, mais qui vous tient quand même au courant. On gagne quand même gros des abonnés, puis on est quand même vraiment content parce qu'on va revenir, guys. Inquiétez-vous pas avec ça. Ça, c'est sûr et certain. On vous abandonne pas. On n'a jamais eu l'intention de ça. Fait qu'on se revoit bientôt, les gens. À toutes.